Ok, From the Fog Apocalypse, épisode 2. Alors, dans le dernier épisode, j'ai appris un truc. On peut apparemment piéger des créatures hostiles sur ce modpack grâce à des cages. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Freddy? Je l'ai buté. Ouais, au lieu de le capturer. Mais pour ma défense, je savais pas que les cages étaient craftables. Bon, ceci dit, pour ma défense, j'ai absolument pas d'armure, donc ouais, pour le moment, hors de question qu'on capture les mobs. Pour le moment, il va falloir se défendre. D'ailleurs, en parlant de se défendre, on va faire de la restauration aujourd'hui. Et non, je ne vais pas ouvrir un restaurant de burgers comme tous les autres youtubeurs. Je parle bien de restaurer cet endroit. Pouce bleu si vous avez kiffé la blague. Bref, ceci étant dit, j'ai récolté pas mal d'iron, donc on va le faire cuire. Et ouais, vous m'avez signalé que ce truc-là apparemment pouvait signaler les entités. Donc écoutez, on va faire parler SCP-171. Ok, et apparemment je suis débile, c'est SCP-079. Bref, ceci étant dit, un nouveau mode vient de s'activer et apparemment c'est Double-1-1. Et de ce que je lis, c'est un variant créé par la Fondation doté de capacités psychiques qui est une masse sombre extrêmement grande avec un visage rouge fondu comme le décrivent certains téléspectateurs. Ok. Ok. Qui c'est qui est apparu là? C'est pas Double-1, hein? Non. Non, monsieur. Petit? J'ai déjà envie de pleurer sur cet épisode. Non, c'est faux, c'est faux. Bonhomme là, bonhomme. Y'a personne? Si. Voilà. C'était sûr. Ok. Oh shit. Ok. Oh oh. J'ai pas la capacité de bouger. Ok ok. Non 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 non. Ok. Dis-moi en plus la machine s'il te plaît. Ok. Je suis libre. Oh non. Oh. C'est quoi cette dinguerie là? Ok ok ok. Laisse-moi en paix s'il te plaît. Je touche pas la... Souris. Ok. T'es parti? Oh, j'ai bien fait de barricader. Holy shit. Oh, qui c'est qui a ouvert quelque chose? J'ai bien fait de tout barricader. Oh la vache. S'il te plaît, dis-moi en plus. Comment survivre? Éviter tout contact cognitif avec SCP-FR-228, y compris la visualisation de son visage. Merci, fabuleux frérot. Merci. Oh, non, 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 non. Régène. S'il te plaît, régène. Oh, je peux pas bouger. C'est une catastrophe. Ok. Bah là je faisais le malin mais je sais pas comment on va faire hein. Ok, il est où? En théorie il est de l'autre côté le gros débile. Allez, 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 allez. On s'en va, on court vite. On tue du cochon comme ça on va pouvoir bouffer. Et ouais c'est le plan, c'est le plan. Le plan c'est de courir comme une vieille victime. Est-ce que j'avais envisagé de... Oh, me faire courser par SCP-FR-228? Non, alias Double-1, alias Double-1-1, parce que oui, c'est pas le Boil-1 originel. Ouais, ça, pour ceux qui l'ont pas compris, c'est tout simplement une modification de la fondation. J'ai pas la moindre idée du pourquoi, du comment, mais écoutez, ouais, il semblerait qu'on ait des entités un petit peu modifiées. Maintenant, à savoir, est-ce que le Boil-1 originel est présent sur ce monde? Oh, aucune idée! C'est quoi l'espèce de vieille chèvre, là? Ok. Oh! Il a déchiqueté en petits morceaux. Ah ouais, je répète, il y a une créature qui est en train de tout déchiqueter en petits morceaux. Ah ouais. Oh non, 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 non. Ok, ok, j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout. Oh non. Ok, il s'est barré, j'ai plus de munitions. Oh mon tabarnouche. Oh. J'ai déjà déglingué l'entièreté de mes munitions. Et j'ai absolument pas posé ma fournaise ici. Qu'est-ce que c'est que ce beans? J'ai ma fournaise qui a décidé de se surélever de 50 milliards de blocs. Oui, fabuleux. Magnifique. Quelle bonne nouvelle. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir notre restaurant? Enfin, je veux dire, entamer la restauration de ce bâtiment. Il me semble, je dis bien il me semble, que Double-1 n'est pas là. Cependant, le fait que Double-1 m'a attaqué à l'intérieur de mes murs, ça soulève une grosse, grosse interrogation. Comment on va faire, étant donné qu'il m'a buté à l'intérieur de mes murs? Enfin, il m'a pas buté, mais vous avez compris. Bref, on a des choses à faire et il faut que j'aille récupérer mon fer. Et Double-1, je te préviens, je te fume. En fait, oublie, j'ai plus de munitions, mais vas-y, viens, on fait comme si j'avais des munitions, là. Oh, j'ai envie de pleurer. Ah, et du coup, on rentre à la maison. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit à l'intérieur du truc. Ok.
Ok, est-ce que c'est parce qu'ici c'est pas torché? Eh bien écoutez, pas la moindre idée, mais maintenant ça va l'être. Voilà, qui est fabuleux. Bon, point sur la situation. 9 de fer. Est-ce que j'ai fait un coffre? Mais oui, j'ai fait un coffre. Magnifique! J'ai fait un coffre, mais j'ai plus de bois. Mais j'ai une table de craft en réserve. Voilà, qui est magnifique. D'ailleurs, hop, voilà, ça c'est fait. Allez, du coup, on est reparti. Ça va être l'heure de miner et d'ailleurs de vérifier 2-3 trucs. Apparemment, pour recharger l'AKM, il me faut de la 7.62.39. Donc c'est ça. Et il me faut 15 de copper et 3 de gunpowder. Bon. C'est pas si cher que ça, donc ouais, c'est une très très bonne nouvelle. Et en plus sur Minecraft, le copper, eh ben écoutez, pour une fois, ça aura une utilité. Allez, on part dans les mines et on va se pisser dessus. En fait, oubliez, on va presque se chier dessus tellement les mines, c'est terrifiant sur ce modpack. Titi ! C'est le club 3e âge ici ? Oui, oui, j'ai prévu ma couche, vous en faites pas. Allez, hop, ça c'est pour moi combien ? 35 de copper. Oh ouais, ça régale. Oh, par contre, la gunpowder, ça va être un enfer à farmer. Il va falloir que je sorte la nuit et que je prenne tous les risques. Mais bon, c'est pas bien grave. On vient de trouver quelque chose, mais ouais, non, pas du tout. Oh, quoique, attendez. Regardez, ça descend. Fabuleux. Fabuleux, bulleux, bulleux. Donne ça à toi. Voilà, nickel. Un petit peu de charbon, un petit peu d'XP et surtout, oh, une cavité. Ok. Oh non. David Guetta, c'est toi? C'est pas du tout David Guetta. Je vais me faire soulever par The Boy One. Lequel c'est? Est-ce que c'est le tiré 1 ou c'est le normal? Ça doit être le normal. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Oh! Nine! On va remonter. Je fais me faire un bouclier et récupérer du bois avant de descendre. Ya, ya, ya. C'est super important. Allez, c'est parti. Et du coup... Tadam! Regardez ça, mais comme c'est beau! Mais comme c'est magnifique! D'ailleurs, écologie oblige, hop, on va replanter une forêt. Voilà qui est magnifique! Comme ça, on prendra pas d'arbres roses sur la survie. Parce que ouais, c'est une survie de bonhomme ici, ok? Non, c'est faux, on fera des bulles d'en rose, mais ouais, pas pour le moment. Mais bref, ceci étant dit, hop, on décrafte ça, table de craft, et bah, c'est l'heure de mettre un like et de vous abonner! Parce que, petit spoiler alerte là, si jamais cette vidéo atteint 2500 likes, je repasse en daily upload. Ça c'est une offre à pas manquer ça. D'ailleurs abonnez-vous parce que sinon... Bah sinon rien en fait, j'ai plus de balles. Mais vas-y abonnez-vous quand même, ça fait plaisir. Bref, je disais donc, juste avant de me faire couper, hop, petit bouclier. Voilà, et écoutez, avec le reste, on va faire un casque. Je suis pas sûr que ce soit ça qui me sauve, mais écoutez, dans mon âme là, vraiment, je me dis, ça peut faire la différence quand même. Bref, c'est reparti pour crever. Et bref, nous voilà exactement à l'endroit où on s'était laissé. D'ailleurs, hop, je torche tout ça. Voilà, nickel. En fait, oubliez. Voilà, toi tu pètes. Toi, je te récupère dans mon sein d'inventaire. Voilà, nickel, combien? Combien? Je sais pas. Mais écoutez, je vais tout récupérer. Non, 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 non. Fais pas tout péter, Creepy. T'es un gamin. Oh non. Oh ouais, butez-vous entre vous. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je vais torcher. Et ouais, ouais, ouais. Ça va bien se passer. Ça va très, très bien se passer. Oh, je sors full fer de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un bloc d'herbe qui vient d'apparaître ici? Il y a de l'herbe? Bob Marley, c'est toi? Bobby, t'as ressuscité? Non, c'est pas du tout Bob Marley. Oh. Tu vas arrêter de raconter des conneries. Je suis en train de crever. Oh non! J'allais dire, j'ai un bouclier et j'ai de la bouffe. Ok, ok, on va se mettre là. On va réfléchir à ma situation qui est celle d'un homme qui va bientôt mourir. Bref, voilà. Bouclier dans la main. Normalement, j'ai torché, ça devrait bien se passer. Oh! Non! La dernière fois que j'ai entendu ça, il a spawné l'autre. Titi? Non, 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 hein? Ah ouais. Ah ouais, il fait des bruits de David Guetta. David Ghetto plutôt. Ouais, ouais. Non, David Ghetto, s'il te plaît. Tu me laisses en paix, hein? Oui, oui, oui. Ok. Bon. Maintenant que j'ai un tout petit peu régène, je vais faire le hold-up du siècle. Je récupère l'entièreté du fer, ico presto. Et on se tire, on revient plus jamais. Voilà, nickel. Hop, ça c'est pour moi. Un petit peu de fer, s'il vous plaît. Ah ouais, juste là. Ah ouais, il est beau ce fer. Ah ouais. Ah ouais, ok. Encore. Oh, regardez cette veine ici. Voilà, nickel. En inventaire et on se tire. Combien? 18 seulement? Mais non. Mais non, tout ça, tous ces risques pour 18 de fer? J'en peux plus. A few moments later. Ok. Ok. Je voulais rentrer. Oh, oh non, 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 non
Oh frère, je suis en train de me faire sniper, l'autre débile il est là. Oh non, please. Ouais. Non, 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 s'il vous plaît. Oh, je voulais pas. S'il vous plaît. Non, on va pas rester ensemble forever, frère. Tu t'es barré? Allez, s'il te plaît. Oh non, il est là. Dès que je le vois, je peux plus bouger et j'ai l'impression de mourir. Ok. Oh! Non, tu vas jouer de la trompette ailleurs, hein? Ok. Bon, il s'est barré. Nickel. Je vais avoir un pilier géant autour de chez moi. Magnifique, magnifique, quelle bonne nouvelle. Et j'ai absolument pas récupéré de blocs pour pouvoir rentrer à la maison et pour pouvoir réparer la base. Magnifique ça, fabuleux même. Et d'ailleurs, deuxième truc fabuleux, là, j'ai un squelette qui va me fumer incessamment sous peu. Magnifique, quelle bonne nouvelle. On va devoir rusher la maison comme des victimes. Ok, c'est bon, je suis une victime. Elle est où là, la maison? Elle est là. Magnifique. Allez, on rentre. Oh, oh non. Oh non, pas encore. Oh non, pas encore. Non, s'il vous plaît. J'ai assez souffert. Je suis juste un gentil jeune, moi. Ouais. Allez, hop. 18 de fer, vous savez quoi? On va split tout ça, comme ça on va aller deux fois plus vite. Eh oui, Jamy. Et ouais, je suis en train de me rendre compte d'un truc, là. Cette base-là, elle a pas encore de nom. C'est à vous de lui donner un nom en commentaire, alors. Si, seigneur, que c'est vrai, ça. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, là, mais il fait vachement noir, ici, hein. Oh, vous avez entendu? Oh non, pas encore. Non, tranquille, ça va. Ça, c'est un zombie villageois. Ça, c'est un homme empalé. Magnifique. Qui c'est qui empale tout le monde? Aucune idée. Encore un homme empalé. Magnifique. Quelle créature fait... Oh! Tu te calmes avec tes rires sataniques, là? Comment ça, mon bœuf? Je te vois. On va rentrer, hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'on est bien à la maison. Bien sûr, si, seigneur. Allez, hop, on récupère ça. Je vais poser, bah, tout simplement, la table à gun. Voilà, parfait. Où est-ce qu'on va la mettre? J'ai pas beaucoup de place, hein, ici. Allez, vous savez quoi? La table à gun, hop, on va déplacer ça. Et voilà. Bon, du coup, est-ce que c'est aussi simple que ce que j'ai lu? Oui, c'est aussi simple que ce que j'ai lu. Bon, mauvaise nouvelle. Si je veux recharger mon arme, il va falloir sortir. Bon, bah, vous savez quoi? On va le faire. Juste avant ça, on met le copper à cuire. Oh, non! Fred, tu es armé. Je sais qui sait que je suis pas armé, mais ouais, c'est pas grave. Ok. Oh non. Il est actif en plus. On l'a entendu marcher. Fred. Fred. T'avais pas le droit de faire ça, Fred. Et tu chantes en plus, ouais. Bon, on va à la chasse aux creepers, moi. On va partir dans l'autre sens en espérant qu'ils nous coursent pas. Hein, c'est juste un bon Freddy. Voilà, quelle bonne nouvelle. Fred, je te préviens, tu me courses. Ah ouais. Tu viens vers moi? On va faire comme s'il venait pas vers moi. Hein, oui, voilà, on va partir. Oh, la victime que je suis. Elle est réelle, hein. Allez, les creepers, s'il vous plaît, petit. Oh, tabarnouche. Hein? C'est poli de buter les gens? Non, pas du tout. Raison pour laquelle tu es mort. Non, mon creeper. Ah ouais, et la nuit a pas été productive, hein. Et si jamais il y a un mob qui m'attaque là, finito pipo, j'ai que du cochon cru. Ah ouais, est-ce que je vais avoir des vers au cul en mangeant du cochon cru, moi? Bah écoutez, je crois que oui. Voilà. Non. Voilà, je m'en vais. Voilà, est-ce que je suis une victime? Ah ouais. Ah ouais, mais il y a tellement de creepers là. Enfin, il y avait des creepers. S'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. Bon, comment dire, je suis pas prêt d'avoir à nouveau des munitions. Pour le moment, je suis une victime. Mais ouais, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Parce que, messieurs, dames, tadam, je viens de crafter le Saint-Marteau. Le marteau là, il me permet de miner en 3x3 et beaucoup plus rapidement qu'avec une pickaxe. Ce qui veut dire que, ouais, on va être très efficace et ça va arriver. C'est quoi qui vient de faire ce bruit là? Bonjour. Au revoir, je ferme. Oh, par contre, c'est terrifiant. On a Freddy qui rôde juste à côté de la base. On l'entend marcher. On l'entend rigoler, se foutre de notre gueule, mais ouais, on peut rien faire. Juste attendre la journée. Oh, quoique. Oh, la journée est là. Est-ce qu'il continue à marcher ou pas? Fred, est-ce que tu as cessé de marcher? Ah ouais, nickel.
Bon, alors, mission Creeper, on va tenter de récupérer 3 gunpowder. Sincèrement, je suis pas certain de cette entreprise, mais écoutez, on peut toujours rêver dans la vie. Et voilà, seulement une, mais ouais, ton royaume atteint départ et mon royaume débute ici. Toi, tu bouges pas, sinon je t'éclate ta grosse tête. Bon, maintenant mission, ce qui veut dire que hop, on fait les torches, voilà, on éclaire, et surtout, regardez-moi ça, pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, oh la vache, le mode Hammer, c'est un des meilleurs modes du monde. Qu'on se le dise là, je vous regarde droit dans les yeux et ouais, c'est le meilleur mode du monde. Bon, tout ceci étant dit, oh oui, bonjour toi, bonjour mon amour, oui. Non, non, tu pètes pas. Voilà, nickel. Oh ouais, ok, plus que un et on est bon. Oh ouais, je m'excite un peu trop, mais vous comprenez pas le bonheur que ça va être dans quelques instants. Allez, on récupère tout ça, on va descendre encore et toujours un peu plus. Oh non, 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 non. S'il vous plaît, il y a quelque chose juste là. Oh, ça va, c'est un creeper. Il y a quelque chose qui marche juste à côté de moi. Oh nom de Dieu. Non, non frérot, t'avais pas le droit de faire ça. Oh, j'ai tellement besoin de toi. Ok. Bon, elle est où la chèvre là? Chèvre? T'es sage? Je vais me faire fumer dans un instant, vous avez pas idée. Mais pour le moment, ça se passe bien. Allez, on va à la recherche de fer, peut-être de diamants. Nous verrons bien de quoi le monde est fait. Pour le moment, de souffrance. Peut-être que dans un instant, ce sera autre chose que de la souffrance. Je veux pas faire la comédie d'alerté là. Mais il y a quelque chose autour de moi. Hein. Je crois que c'est SCP-173. Je crois que c'est la statue. Il va falloir qu'on aille voir le SCP ordinateur pour qu'il nous dise ce qui se passe. Parce que ouais, la configuration de mon mode SCP fait que, aléatoirement, des SCP sont libérés aléatoirement de leur confinement. Ouais, c'est un petit truc sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai kiffé. Donc du coup, je l'ai fait. Ok, tranquille, 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 mon Johnny, ça va aller. Du coup, je vous récupère, j'ai fait une trentaine d'iron sans vous. C'est pas beaucoup, mais franchement, c'est pas mal. Oh la vache, je stresse à chaque fois que je vois un mouton maintenant. Ok, on est où? Où est la base? Comment va-t-on faire pour rentrer? Parce que j'ai pas les coordonnées. Ouais, ça, c'est encore une autre question à laquelle on va tenter de répondre. Hein. Magnifique. Oh, village! Oh, ça, c'est bon, ça. Attendez. Qui dit village, dit qu'en théorie il peut y avoir des trucs pas trop cool. On va pas aller dans le village pour le moment. Je pense pas qu'on soit armé pour le village. J'ai pas envie de prendre le moindre risque avec les SCP humanoïdes ou les entités humanoïdes. Non monsieur, en plus j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien. Ouais, on va éviter. Non, par contre un truc là, j'ai juré, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive rien à faire sur cette survie. Voilà, nickel, maintenant on peut courir. Je vais donc arrêter de me plaindre. C'est un enfer. Il a respawn l'autre. Oh, s'il vous plaît. Je crois que la nuit vient de tomber en plus. Oh non. Oh non, 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 non. C'est la mauvaise entité. C'est celle qui a la capacité de me manipuler. Ok. Toi, dès que je peux, je te fume ta grosse tête à coup d'AK-47. T'es parti? Non, t'es pas parti, bien évidemment. Fabuleux. Est-ce qu'on pouvait faire pire comme début d'aventure? Je dirais que non. Ok. Fabuleux. T'es parti? Magnifique. On va tout pouvoir mettre à cuire. Et voilà. Et d'ailleurs, on va même faire de quoi bouffer parce que... Ouais, c'est la galère. Je suis en train d'y penser, mais je vous avais dit qu'on allait entamer les réparations. Et pour des réparations, il va me falloir réparer le toit. Et le toit est fait en cobble. Et vous savez quoi? Bah, c'est à peu près tout ce que j'ai de la cobble. Donc, eh bien, écoutez, pack, on fait cobblestone into stone brick. Ça, c'est l'idée du siècle. Oh non. Attendez. Je rêve ou l'autre elle a spawn? Chèvre? Je vous jure que j'ai entendu la chèvre. Oh, ne me dites pas qu'elle a spawné dans la maison. Oh shit. Chèvre? J'ai envie de pleurer. T'es où? T'es pas là, hein? Bah tant mieux si t'es pas là. Tant mieux, mais tant mieux. Allez, du coup, je récupère de la bouffe, un petit peu de fer. Comme ça, je vais pouvoir un tant soit peu m'armer, un tant soit peu m'équiper. Attendez, non mais sans déconner, qu'est-ce qui m'a détruit mon casque comme ça? Oh,
Alors ça va être un gros problème sur la survie, ça. Je me demande si c'est pas The Boil Wine qui m'a détruit comme ça. Aucune idée, mais ouais, c'est pas la meilleure nouvelle du monde. Allez, bref, on va arrêter de se plaindre, parce que, ouais, j'ai des choses à faire. Mais ouais, surtout attendre la journée, parce que, ben, quand je vous ai posé la question hier, vous m'avez dit, John, tu n'as pas le droit de dormir, sauf quand il y a des fantômes. Donc ouais, bah pour le moment, j'attends. C'est pas forcément très très drôle, parce que à n'importe quel moment, Freddy s'active et me déboîte. Donc bah il faut attendre la journée. Oh, allez, voilà, on retourne ici. Je vais réparer le toit parce qu'écoutez, comme ça au moins ce sera fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là, frérot? S'il te plaît, laisse-moi en paix. Je suis gentil, je suis un bon John. Hein? Voilà, regarde. Je refais ma base. C'est tout ce que je fais. Hein? Voilà, bon, on va éviter de refermer ici, sinon on ressort plus jamais. D'ailleurs, autre truc qu'on va faire, c'est torcher le toit. Parce que si jamais un mob a la bonne idée de spawner ici, finito pipo, on pleure. Ok, Freddy s'est activé. Magnifique, bonne nouvelle ça. Ok, du coup, voyons voir. Niveau restauration, on va en être où? J'ai envie de dire, on est plutôt bien restauré. On va remplacer les planchettes par de la stone brick. C'est plus solide, c'est beaucoup plus solide. Mais on va pas se le cacher, c'est aussi beaucoup plus simple à retirer. Voilà, nickel. Je vais boucher ici. Parce que, ouais, un cave dweller, ça se faufile un petit peu partout. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en ait pas encore vu. Mais vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle qu'on n'ait pas vu de cave dweller. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici? Hola, qu'est-ce? Oh! Pile d'ici, toi. Voilà, nickel. Gentil bête, mais c'est Spawnland là-dedans ou c'est comment? Ah ouais, c'est Spawnland. Bon, on va torcher, du coup. Voilà, qui est parfait. Et du coup, étant donné que j'ai pas forcément de briquettes sous la main, eh ben écoutez, hop, on remplace par de la cobble, en espérant que ça tienne. Ça, seul l'avenir nous le dira, mais ouais, ici, ça va faire un bel espace de stockage, je pense. Petite salle des coffres, ici, à ne pas piquer des hannetons, vous allez voir, ça va être sympa. Oh, mamma mia! Mais ça, c'est magnifique, ça! Viens voir ici, toi! Non, fais pas péter ma maison, par contre. Ce serait pas cool du tout. Mais par contre, si tu pouvais dropper... Oh ouais, un gunpowder. Oh la vache, on a un nouveau armé! Oh ouais, y a plus rien qui va m'arrêter. Sauf peut-être lui. La gunpowder, elle est là. Ok. Oh, je vais pouvoir me crafter des munitions. Par contre, combien? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais écoutez, ça va venir, ça va venir. D'ailleurs, on a un village à côté. Oh la vache. Ça veut dire Pharma Creeper. Ça veut dire on est riche dans quelques instants. Magnifique. Combien? Seulement 3. Ok. J'accepte cette donation. On rentre. On craft des munitions. Et on va pouvoir partir à l'exploration. Eh, du coup, on va crafter nos munitions. C'est pas celle-là, hein. Ah, c'est celle-là. Oh la vache. J'aurais pu pleurer, là. Sincèrement, j'aurais pu pleurer. Allez. Ouverture. J'ai un chargeur et demi. Ok. Magnifique. Oh, ok. Non, je vais pas dormir mort, ok? Oh! C'est le vrai Boil One, ça! Oh, mon frérot! Tiens, prends de voir une petite bastos! Oh! On l'a buté? On l'a pas buté. Ok, il a pas donné d'XP, il est pas mort. Oh, l'enfer! On l'a juste fait des pop. Bon, ça, c'est une très très bonne chose. Ça m'a coûté 10 balles pour le faire des pop. Bon. Oh non. Mais c'est pas vrai, ça. Ok. Il y a une créature qui vient de faire presque tomber la nuit. Écoutez, je vous propose qu'on se récupère ici pour le prochain épisode. Parce que pour ma part, j'ai envie de vous dire que c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. On se retrouve très très rapidement pour le troisième. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu fais des trucs chelous, toi!